Donc voilà, je viens de finir ce bouquin, Abraham Cohen, le Talmud. Donc ça, c'est une traduction de l'anglais en fait. Ah, donc ça parle de tout l'univers du judaïsme. Donc ça, il y a pas mal de superstitions dedans, on va pas se mentir. Pas mal de trucs rigolos. C'est un peu lourd. Hein. C'est du costaud, c'est du solide à lire, mais c'est genre très très lourd. C'est plein de comment dire d'allusions, d'anecdotes. Alors c'est assez marrant, puis en même temps, bah, ça rejoint les superstitions, la sorcellerie, le tribunal divin, le paradis, la géhenne, c'est-à-dire l'enfer, quoi. Ça parle de la fin du monde, ça parle de toutes les croyances un peu de l'époque, la médecine traditionnelle, qui avait l'air très folklorique aussi, les guérisons de maladies, mais aussi l'exorcisme, carrément, et les différentes variétés de démons, et puis en gros, ouais, ça va très 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 loin, ça va jusqu'à parler, oui, du tribunal à l'époque et tout, Sanhédrin, ça rigolait pas, et voilà, quoi. Tout était calculé. Bon, c'est un peu lourd, hein, dans les religions, c'est tout est calculé. Et là, c'est vraiment religion intellectuelle plus plus plus.